la troisième année que je fais le projet de conception d'une partie d'un véhicule, dans le fond, avec Souci. C'est un projet qui est stimulant pour plusieurs aspects. Premièrement, évidemment, côté scientifique, mais évidemment, on travaille beaucoup en techno. Donc, important pour les élèves de faire un lien entre ce qu'ils apprennent puis la réalité, tout ce qui les entoure. Cette année, ce qu'on a décidé de faire différemment des autres années, c'est qu'on a décidé de concevoir un véhicule à partir de zéro. Donc, cette année, la première année 2013-2014, on demande aux étudiants de concevoir, à partir de notre véhicule de base, la cage de sécurité qui va entourer l'occupant. Donc, c'est un kart qu'on fait, donc un véhicule à quatre roues, à propulsion manuelle, donc avec un pédalier. L'année suivante, les étudiants vont devoir concevoir les ailes et ainsi de suite pendant quatre ans. Donc, les étudiants qui sont aujourd'hui en secondaire 1 vont pouvoir travailler sur le même projet. Aujourd'hui, on est à la première étape, donc on rencontrait les étudiants. On leur montrait justement nos différents corps de métier à Maxime et à moi. On leur expliquait aussi le projet qu'ils devront réaliser tout au cours de l'année. La deuxième étape, qui aura lieu en février prochain, on va revenir ici avec Cindy aussi des ressources humaines. On va assister à leur présentation. Ensuite de ça, on va choisir le concept gagnant. Après ça, au niveau du projet lui-même, dans le fond, moi, je m'assure de faire la modélisation du produit. Après ça, on fait aussi la fabrication du prototype. Donc, je fais un suivi avec des gens de mon équipe, puis qu'on puisse montrer à la fin le prototype fonctionnel aux élèves. Donc, la troisième étape consistera en une visite de nos installations chez Souci qui se fera en mai 2014. C'est au même moment qu'on va présenter le concept gagnant aux étudiants et c'est ce qui va compléter l'année de ce projet de science avec l'École Marie-Rivière et le groupe Souci.